Si on part comme prévu, j'ai envie de dire, sur du Magnès, ça risque d'être relativement compliqué. McFall, oh le fou malade! Oh le fou malade! Vas-y, c'est pour rentrer un sport. Ouais. Kegs Ratlas. 2-1 pour Kegs. Ok. En niveau de 1, ça a été Wi-Fi depuis tout le long. J'ai joué à Egypte, première game. Et après, j'ai fait du carroule. Et j'ai perdu la première, gagné la deuxième, perdu la troisième. Attends. Il a gagné. Ok. Et là, je joue carroule. Ok. Carroule, j'ai gagné. Ah! C'est insupportable ce truc. Là, t'as gagné du coup? Ouais. Et là, carroule aussi. Ouais. Ça marche. On submule les résultats. Et donc, on est pas mal. Non, c'est pas Nice, du coup, c'est Falco. Ozmi qui traîne son Falco, Ozmi qui sort son Falco. Ozmi qui a confiance en son Falco, qui a déjà réussi à battre Keg avec. Mais est-ce qu'il va réussir à faire la même chose contre Yogus? Est-ce que, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi les brackets, non mais les big B comme ça qui ne se font pas punir, pour ceux qui ne suivent pas le bracket, Ozmi, Yogus vient de réussir à battre l'Impic en McFalco. Donc là, ça repart en McFalco contre Ozmi. Donc bon, si Ozmi réussit à gagner, ça voudrait peut-être dire des choses. Je ne dirai rien, mais faites vos conclusions, faites vos recherches. Et la Tech Jump qui aura eu raison de match avec une toute petite recovery. Évidemment, il ne remontera pas de ça. Cette fameuse Tech Jump qui arrive à fumer tellement de personnes, qui arrive à mettre dans le mal tellement de personnes aussi. Et donc là, une petite avance du côté d'Ozmi déjà. Et bien trouvé le petit pour catch le side B. On est sur la plateforme. On va essayer de tenter le smash, on va essayer de tenter le up B. Avec juste up tilt, up air. Voilà, on n'exonne pas le combo. Et exactement ce que j'allais dire. On n'exonne pas le combo, sinon on se mange un up B. Et là, il a essayé d'exonner, boum, le up B directement dans les dents de devant de Falco. Et donc là, le jab qui enverra très légèrement en l'air. Ok, là, la version qui est légèrement mal DI. On est en strap. Et Ozmi qui recule. Ozmi qui recule, hein, il veut pas avancer. Contrôleur qui veut pas avancer, il a raison. Oh oui, bien joué ça! Oh oui, bien joué ça! Tout près, lui, into remettre un autre shield, into confirme au side B, c'était très très bien vu. Par contre, il y a un truc qui est très chiant, c'est que le co-punch ne va pas durer très longtemps dans ce match-up. Parce que d'un côté, tous les multi-hits de Falco, plus les lasers de Falco, il peut réussir à retirer ce co-punch en prenant peu de risques. Et là, la tendance qui s'est inversée, la vapeur change de côté. Et Yogus a le lead dans ces games. On envoie le Don't Tilt B, bien joué, Tatu, bien joué. Tu peux rien faire. Don't Tilt B. Ah, déjà 1-0 là pour... Let's go. On rappelle que c'est en BO5 maintenant, vu qu'on est dans le top 8. Mais ouais, je suis pas sûr à 100% du Poly Falco, sachant que Yugus maintenant est très carré sur le match-up, il arrive à battre les meilleurs Falco de Brest. Donc si un peu deuxième meilleur Falco de Brest. Effectivement. Et on part sur Battlefield. Pourquoi on va garder Falco? C'est ça la vraie question, mec. Non, évidemment, on prend S. On arrête de troll. On drop un perso de Gaumont pour un perso de Gaumont. Il a pas tort. Non, en vrai, vas-y, go, ça va partir. Et donc, pour le coup, on va jouer sérieux, on va prendre Ness. Et Battlefield, En vrai, si, parce en vrai, que Yogus aime beaucoup la map. Après, une durée après. Et là, c'est le moment où on se fait chier, du coup. Ouais. En global. Mais bon, je suppose que. EDF a été banni d'à part de Ozmi. Mais très très sûrement. C'est un joueur de NES, mais quand même. Ouais. Bah ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. SDI up, c'était...
On va jamais percer, on va jamais. Si, de quoi il parle? Non, mais il rend fou. Ouais. Avec bah, on a l'habitude que Owen sort de. Non, des... il parlait de. Oh, vas-y, Dance Smash, mais il est Taras. Excellent, bonne blague. Là, on reste bien sur la plateforme, on veut pas approcher. On veut, on va pas approcher. Il a pris Falco après la game. Ouais. Oui, mérité. Et là, on a le KO. Oui, bien vu. La gâteau oh. Dans le yo-yo, il ne faut pas essayer de contester ça. Oh, on avait encore le saut. Bien joué. Donc le up servira à rien. Et Pep, c'est foutu. Piqué Fire into Backer le confirme. On le connaît. On le maîtrise. Ok, upper, upper. Bien joué ça de B pour casser le. Ouais, le neutral but pour break le combo. Avec le jab qui sera trouvé de la part de Yogus. Ok, la tech. Beaucoup de B quand même. Hein. Beaucoup, beaucoup de B. Ouais, il s'en sert beaucoup pour tuer. C'est à quoi ou... Non, bah voilà, bah, ça a pris d'avance. Maintenant, ça va rester sur sa petite plateforme. En fait, il va attendre qu'il craque mentalement et qu'il passe un B. Oh, bien joué, c'est le side B qui va prendre la stock. On a que 24% de retard. Hein. On est pas mal. Hein. Et ça, c'est un truc que Yogus a appris, je dirais pas avec qui, avec moi. C'est qu'il peut faire le side B de Mac pour passer juste au-dessus du Big Empire. Ouais, parce que ça met une espèce de courbe chelou. Du coup, il peut abuser de son side B pour ressortir. Mm-hmm. Oh oui, le contre très très bien joué. Et puis en plus, on va pas tarder à avoir le KO Punch. Ouais. On va essayer. Et à tout moment, on va le. On veut cette stock sur un smash et la suivante sur un KO. Oh oui, eh bien, faut pas prendre le risque. On a un KO punch en fou. On essayait de partir out pour s'extirper du jab KO punch, mais Yogus a réussi à suivre cette DI. Ok, up tilt jab déjà 21% de mi. Le nerf en breaker. 21% même perçu. Bizarre. Étrange. Putain, on a déjà gratté 51%. On est bien. Hein. Cher dans forme. Hein. Bah, il a revu l'arrivée de son coach. Oh oui, good job, bien joué. Là, oh oui, il y a plus de smash. Il y a plus de saut, c'est le moment. Ça va c'est le moment. Oui, oui. Oh oui, oui. J'ai tellement bien trouvé. Mais tellement bien trouvé. Très bien. Le counter pour aller intercepter la Reconness. Ça, faut avoir les Coronets pour le faire. Après, il y avait ça, deux stocks encore. Bien pour le faire, mec. Oui, pourquoi c'est marqué Winner Semi BO3? Parce que je sais pas faire la régie, mec. Voilà, on est mieux. Ok, on est parti pour cette troisième game du BO5. Et on repart sur du Battlefield, mais cette fois de petit terrain. On va moins pouvoir compte plateforme, mine de rien. Il y en a une en moins. Mais du coup, ça veut dire que d'un côté, on pourra moins camp plateforme, mais de l'autre côté, on aura moins d'exemples de combos sur Watashi Tatsuwa sur le plat duo, quoi. Oui, exactement. Mais bon, on connaît notre Ariane Mac du coin. Ah, par contre, vite volé. T'as vu ça, mec, le gameplay de Ozmi a un peu changé. Avant, il faisait double jump cancel, piqué fire sur le plateforme. Maintenant, il fait wave land, piqué fire sur le plateforme. Oh, le beau FB. Le beau FB en sortie de. De piquer fire pour je sais pas la faute. Oh oui, c'est le regrab. C'est foutu. Est-ce que... Oui, okay, Tanta Darum. Ah ouais. Pardon. Ouais, c'est tout ça. Non, pardon. Oui, bien, bien. Et pour le coup, on accumule les pourcents et on a encore le. Et on a encore le co-punch. Ouais. Et le piquer fire qui se fait. Oui. Sur la plateforme. Et encore une fois, Ozmi qui. Comme la plateforme, Charles qui ne. Yogis qui ne veut surtout Charles pas avant trop bien aujourd'hui. Ouais. Il prend son temps, il esquive les Biggie Fire. Charles qui s'est bien amélioré sur ses dash shield. Ouais, clairement. Si Avant, il prenait tout et maintenant, ben, vous ne passerez pas quoi. Mais il peut dire non, mais pourquoi il ne faut pas. Normal, get up le yo-yo de Ness. C'est la chose à ne pas faire. La seule bonne option, c'est get up attack. Vous avez juste ça à faire, c'est tout. En fait, je pense qu'il était déjà buffer. Oui, ouais. Non, mais on essaie de mettre la pression, mais là, la pression se trouve du côté du Mac, et on respecte, on prend le temps, on envoie le fer pour essayer de courir la rolling. Oui, très bien. Parmi top 5 des meilleurs FT du jeu, si on veut mon avis, dans mon livre. Bah écoute mec, c'est ton avis, je le respecte. Oui, le Big Empire qui a été bien trouvé pour intercepter tout ça. Oh, ça quoi ? Il remonte de ça ? Oui, c'est mort. Attends, il remonte de ça plus, il tue B. Mais mec,
Mec, là, c'est, là, c'est, là, c'est potentiellement le 3-0, là. C'est un héros. Mais non, mais pourquoi tu fasses faux toujours à cet endroit-là? Tu sais qui va envoyer son... Oh, oh oui, il le sauve. Vas-y. Ah non, les problèmes. Non, non. Oh, mais il aurait pu tenter de up dedans et de tech. Effectivement. Et par contre, il y a un truc à remarquer aussi, c'est que en général, Osmi, il campe beaucoup sur les plates. C'est mais là, de bâtard, hein, Charles. T'as pas vu? Dans le Gabriel? Oui, oui. Non, c'est non, non. Non, mais c'était pas loin. Bon. Et là, c'est les problèmes. Et là, c'est les problèmes parce qu'il vient, dans son double jump. Là, il n'y a plus de saut. Finito cette fraude. Finito cette fraude. Attends, mais mec, oui, oui, finito la fraude. On t'était tout de suite peur. Finito la fraude. Emmanuel Macron, finito la fraude. On a laissé aucun buzz. Aucun buzz. Oh, le 3-0 de. Non, mais après, il a dit qu'il n'y a pas besoin de son entraîneur, quoi.